baraque. Hans ? Maman ! Deux secondes, il n'y a pas le feu ! J'ai un mauvais pressentiment. Les gars, c'est trop bien, vous avez fait des folies là. Ouais. Fallait pas. Trop bien. Alors, la cuisine, par ici. C'est immense. Clément, je file dans la cuisine. Ouais, je te rejoins. T'as vu ma mère? Elle est imposable. Comme disait ma mère, une maison dans laquelle on se sent bien est une maison où chaque chose est à sa place. Allez, les bouteilles d'un côté, le petit déjeuner, là, le dîner. Le moins qu'on puisse dire, ça déménage avec vous, Madame Gérard. Hein ? Ah maman, merci, hein, c'est adorable d'avoir fait le taxi. Mais voilà, hein, je pense que c'est bon. Bah, Madame Gérard, vous allez rester avec nous ? Ah non ? S'il vous plaît, Anna. Mais non, mais elle peut pas rester. Non, mais t'inquiète pas, mon chéri. Moi, ça me fait plaisir de vous voir tous, mais je ne vais pas rester. Voilà. En plus, moi, je suis pas rassurée de te voir toute seule sur la route comme ça. Oh, minou. Non. Non, mais je prépare juste un cocktail avec Cyril et puis je file. Ben oui, Minou, on va faire ça. Je crois que je vais t'appeler comme ça maintenant. Non, mais écoute, maman, ça va aller, on va s'en sortir. Oh, chose promise. Après, je te laisse faire ta boum avec tes amis. Mais maman, mais c'est pas une boum. Allez, on va aller chercher le verre. Clément, t'es pas cool avec ta mère. On avait dit un week-end entre potes. Oui, bon, d'accord. Mais avec Anna, c'est différent. Regarde tout ce qu'elle fait pour nous. Tu veux la pécho ou quoi? Ah. Ça va? Tu passes une bonne soirée? Bah ouais, toi. Et au fait, ton nouveau copain, là, super sympa, hein. Alors ça y est, c'est le grand jour. Tu l'officialises devant tout le monde. Pourquoi? Ça te dérange? Non, pas du tout. En vrai, je suis content que tu sois passé à autre chose. Parce que je t'avoue, à un moment, je me suis demandé... Si je t'avais oublié? Non. Je veux dire, je commençais à me faire un peu de soucis pour toi. Dis celui qui répond jamais à mes messages. Non. C'est vrai que j'étais pas mal occupée cette année. Ah, j'ai cru comprendre. Comme avec Lola, c'est ça? Putain, on te la fait pas, toi, hein? Ouais. Autant te dire que j'ai été ravie de la prendre par une des meufs du groupe. Ça va, on n'était même plus en couple. Depuis 2 jours. 2 jours seulement? Ah ouais. Ouais, Tania, c'est du passé. Ah oui, non mais... T'inquiète pas, j'ai bien compris que c'était du passé et que t'en as plus rien à foutre de moi. Oh, arrête. On est là pour passer un bon moment. Gâche pas tout. Gâche pas tout. Connard. Bah alors, viens visiter un peu, au lieu de te planquer. Ah non, mais attends, je me planquais pas, hein. Ah, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je sais pas. Je le sens pas, cet endroit. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est une maison comme une autre?
j'ai du mal à expliquer. Je sens comme une présence. T'as rien ressenti, toi? Ah, vous restez avec nous, finalement. Juste une petite bise avant de partir. Et je m'en vais. Anna, vous allez pas partir comme ça toute seule, là? Oh, mais tu me dis mine, toi, ma poulette. Tu ne nous couvres pas qu'une chose. Non, mais c'est juste qu'elle s'est mise en tête qu'il y avait des mauvaises ondes dans la maison. Et qu'on nous observe. Je vais partir avec vous. Hors de question, poulette. Hein. Quand on est dans une maison comme ceci, c'est normal hein, d'être sensible. Elle a dû en voir passer des choses drôles et moins drôles. Les murs, ça garde les souvenirs. Bon, bah c'est pas tout ça, hein. Allez, on descend voir les autres et faire la fête. Amandine, il n'y a personne d'autre dans cette maison. Alors s'il te plaît, arrête de regarder toutes ces vidéos sur YouTube. Bah, de toute façon, il n'y a même pas de réseau ici. Bon, tu vas pas rester ici toute seule. Viens avec nous, ça va te détendre. Ouais, si tu le dis. Non, désolée, je suis pas trop d'humeur. Là. Ok, ça fait plaisir. Je suis pas à ta disposition, H24. Tu peux savoir ce qui t'arrive tout d'un coup? C'était pas une bonne idée de venir. Viens, on commande un Uber, on rentre sur un week-end sous la couette, s'il te plaît. T'as 200 euros à mettre dans un Uber, toi? Et puis, on dit quoi aux autres? C'était pas de Tania, pas les miens. Et juste, si ça t'intéresse, je m'amuse plutôt bien. Clément est déjà raide mort. On a un peu discuté tout à l'heure. Il m'a présenté Adrien aussi. Vachement sympa, le gars. Bah écoute, je suis ravie que t'aies sympathisé avec mon ex. Du coup, c'est la soirée parfaite. Vous avez parlé de moi, je parie? Bah non. On a parlé du match de ce soir. Il a misé 100 euros sur la victoire du PSG, mais la cote est assez élevée. Mais Thomas, épargne-moi vos trucs de fouteux, là, s'il te plaît. En tout cas, vraiment, je suis ravie d'apprendre que mon ex et toi, vous êtes devenus les meilleurs potes en même pas 2 heures, quoi. Franchement, belle perf. Mais je croyais que c'était réglé avec ce mec. Ça l'est. Ouais. C'est juste que, tu vois, j'ai pas envie de passer une mauvaise soirée à cause de toi. Ah, à cause de lui. Ah, c'est moi maintenant. Tu m'as traîné jusqu'ici alors que je connais personne. Je m'intègre et je te sers de punching ball à cause de ton ex. Mais je te répète que c'est fini entre lui et moi. Arrête de me prendre pour un con. S'il n'y a pas de malaise, pourquoi t'es en roue libre depuis 5 minutes? Tu vois, c'est juste que... C'est juste que je savais pas que Lola était là ce soir. Sex on the beach? Quoi? Sex on the beach? Je t'en ai préparé un. Allez.
Alors ? Nostalgique ? Oh putain, tu m'as fait peur. Non, pas nostalgique, non. C'est juste que ça me saoule, cette espèce d'entre-deux avec Adrien. Viens, on va aux toilettes. Non mais meuf, je vois tout là. Oh ça va, t'es toujours pas habituée depuis la fac. Puis bon, j'en profite avant que les mecs commencent à marquer leur territoire. Déjà que sort, ils savent la vider. Bon et du coup, tu disais Adrien. Ouais bah tu sais, ça a toujours été un peu ambigu entre nous. Hein. Déjà à l'époque, on s'était vu genre 2-3 fois quand tu venais te rompre avec Talia. Mais bon, ça me saoule, j'ai vraiment l'impression d'être un bouche-trou quoi. C'est vrai qu'il a clairement abusé. Tania et lui, c'était limite confession intime. Fallait voir les scandales qu'elle lui tapait. Je t'ai déjà raconté la fois où elle lui a balancé un verre de bière à la gueule devant tout le monde, juste parce qu'il se rappelait pas la date de leur premier date. Non mais franchement, qui fait ça? Julien l'appelle la poissonnière. D'ailleurs, trouve pas qu'elle a grave pris du cul? Eh meuf, fais gaffe, les murs sont hyper fins, on entend tout. Voilà, maintenant on est tranquille. Et son Thomas là, ça a l'air plutôt sérieux, non? Assez sérieux pour que je me retape Adrien sans que ça fasse un scandale, tu crois? Non mais ce soir, avec tout le monde autour. Oh ça va, je suis pas une nonne. Puis bon, vous êtes tous en couple, tu vas pas me faire croire qu'il va rien se passer ce week-end. Tu veux que je te montre ce que j'ai prévu sous mes vêtements au cas où? Non. Te connaissant, j'ai pas envie de savoir. Oh, ma petite considération. Oh! Et regarde! Ouais, c'est bien. Et cette manie de faire des gros plans de ta poitrine, non mais franchement. Bon, on y retourne. Ça va faire long, ça va paraître suspect là. Et regarde! Ouais, c'est bien. Chris ? Chris ? Viens là. Ah, t'as vu, hein, je me suis appliqué pour le cas. Siri, qu'est-ce que t'as foutu ? Non mais tu te fous de ma gueule en plus. Mais tu vois, je savais, j'en étais sûr que même pour un truc aussi basique comme ça, là, on pourrait pas te faire confiance. Bah attends, je te jure que... On touche pas. Franchement, tu me fais chier. On va faire quoi maintenant ? Je vais rattraper le coup, tu me connais. Ouais, justement. Faut juste que je récupère un carton et du papier cadeau. T'as pas du papier cadeau ? Ah bah si. Je me trimballe toujours avec. Tu veux quelle couleur ? Bah je sais pas. J'hésite entre du bleu ou... Et pour ce qu'il y a dedans ? Parce que c'est quand même ça qu'on lui offre. Je gérerai, t'inquiète. Tonton, c'est fragile. Lâche ! À vos souhaits. Hey. Hey. Ça va? Tu passes une bonne soirée? Ça te dit qu'on aille dans un coin plus calme pour discuter? Oui, si tu veux. T'es sûr que ça va? Oui, oui, ça va. Je te trouve vraiment belle ce soir. Ben merci. Thank you.
Amandine. Je veux vraiment savoir où tout ça nous mène. Mais quoi tout ça? Je veux pas passer par quatre chemins. Je te le dis, je craque vraiment pour toi. Tu fais quoi là? Mais rien, rien. Je vérifie quelque chose. Tu disais quoi? Parfois j'arrive vraiment pas à discerner ce que tu veux. Tu m'écoutes? Mais oui, je t'écoute. Moi aussi, je t'adore. Mais... Mais quoi? Dis-moi. Parle-moi franchement. Il y a quelqu'un d'autre. Comment ça, il y a quelqu'un d'autre? Là, dans la maison, il y a quelqu'un d'autre. J'en étais sûr. Mais je l'ai senti. Ah, toi aussi, tu l'as senti. Vous n'avez pas du papier cadeau? Bleu? Mais c'est quand même pas lui. Non, non. Mais je t'ai dit, t'as commandé le mauvais papier. Tu m'as pris un papier corail alors que je t'avais demandé un papier saumon. Même mon petit neveu, il arrive mieux à faire la différence avec ces crayons-là. Écoute, je m'en fous. Tu te débrouilles comme tu veux, t'appelles l'atelier, je veux que ce soit réglé pour demain matin. Alors? Toujours à maltraiter tes stagiaires, à ce que je vois. Pourquoi? Tu veux prendre leur place? J'ai encore les stigmates de la dernière fois. Petite nature, je m'étais retenue pourtant. Et qu'est-ce que c'est quand tu te retiens pas? T'es tellement pas prêt pour ça. Que de la gueule. Mais tu crois qu'il est capable de faire une bonne passe, lui? 800 millions, 800 millions il nous a coûté. C'est pas fini, il y a encore les arrêts de jeu. Il faut juste qu'ils égalisent. Tu crois qu'on arrivera à rembourser le cadeau qu'on a flingué si on gagne au côté match? Je sais pas mec, je sais pas. Et puis on n'a rien flingué du tout, c'est l'autre là-bas qui s'est mis dans la merde tout seul. Allez, centre, centre. Oui. Putain! Par contre, ma meuf va mettre la misère si je récupère pas ma mise là. 4 minutes d'arrêt de jeu, allez les gars! Je vais devenir fou, c'est un match de dingue, je vais devenir fou! Allez, pas mal. Une bière, une bière! Que quelqu'un me file une bière, même chose, je m'en fous! Mais regarde cette action, c'est tout bon là! Allez! Oui! Oui, c'est bon! C'est bon ça! C'est ça! C'est ça qui est bon! Ah! Il a rien fait pour un deuxième mi-temps et là il marque! Enfin! Putain, les 800 millions, ils valaient! Les 800 millions, valaient! Attends, c'est pas fini! Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? J'ai cassé mon cadeau! Oh, mais c'est pas grave, hein! On va arranger ça! Tiens, donne-moi ça! Allez, va t'asseoir! C'est ça, gamin, c'est ça! Allez, il se passe un truc ici! Je sais! Vous allez vous pécho! Je savais que cette coloc allait marcher. Eh les gars, je vous ai déjà dit à quel point je vous aimais, les gars. À peu près à chaque fois que t'es bourré. Eh ben, je vous adore! T'es en forme ce soir, toi, hein? T'as un truc à noyer? Ma mère. Non, mais vraiment. Vraiment, les gars, vraiment. Vous êtes de vrais bons copains. Oh, qu'est-ce que c'est? Touche pas, c'est fragile. C'est une machine à raclette? Ouais, c'est ça, Clément. On va tous se faire une raclette. Ouais? Trop bien! Les gars, on va se faire une raclette! Raclette partie! Anniversaire, joyeux anniversaire.
Clément, mon amour. On te souhaite tous un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, enculé! Voilà. On espère que tu te souviendras de tes 30 ans et de cette maison. Et sache qu'on t'aime tous très fort. Joyeux anniversaire, Clément.